Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit. Psaume 118, strophe 16. Réjouissez-vous,
jusqu'au bout mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Psaume 14. Psaume 15. Thank you.
je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, à part l'héritage et la couronne, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque l'enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers nous, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Holy Spirit, we are with you.
du cardinal Etchegaray, Esprit Saint, Esprit de Jésus. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne demande pas à l'Esprit son identité, on tient sa porte ouverte pour qu'il s'y engouffre. C'est tout. Comment parler d'une personne insaisissable, sans nom précis ou vivant incognito? Dans l'Écriture, l'Esprit Saint ne parle jamais de lui-même en disant « je », mais toujours par les prophètes et finalement par le Fils. Nous comprenons du même coup pourquoi nous prions peu l'Esprit, alors que nous prions toujours dans l'Esprit. Pense-t-on à l'air quand on respire? Jésus lui-même parle très peu de l'Esprit Saint avant ses grands discours d'adieu. C'est que pour ses disciples, l'expérience de l'Esprit était inséparable de l'expérience qu'ils font de Jésus. Jamais Jésus ne l'invoque, jamais il ne s'appuie sur lui pour justifier sa conduite. Mais c'est l'Esprit qui donne à Jésus d'être ce qu'il est, et cet Esprit ne réalise pas une autre œuvre que celle de Jésus, ce qui fait dire à saint Paul, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas ». Le seul lien concret qui nous soit offert avec l'Esprit Saint se trouve en Jésus-Christ. L'Esprit qui nous est donné n'est autre que l'Esprit même de Jésus. Recevoir l'Esprit Saint, c'est donc communier à Jésus-Christ et c'est même la seule façon de le faire. Par l'Esprit Saint, nous faisons acte de foi en Jésus-Christ. Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur autrement que par l'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur de puissance, gloire à toi, ô Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur de puissance, gloire à toi, ô Christ notre roi. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres. Gloire à toi, Seigneur de puissance, gloire à toi, ô Christ notre roi. Lecture du livre des Actes des apôtres. En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas qui pourtant était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes « que sa charge passe à un autre ».
Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Les hasards du calendrier font commémorer cette année la fête de Saint Matthias pendant l'octave qui nous prépare à recevoir l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Nous recevons ce passage du livre des Actes des Apôtres, le seul qui évoque Matthias, dans les mêmes circonstances où se trouvait l'assemblée des disciples, dans l'attente de la venue de l'Esprit. Il peut ainsi nous donner le modèle d'un discernement opéré dans la lumière de cet Esprit Saint. Le discernement ici s'effectue en trois temps. Le premier consiste à scruter l'Écriture pour la bien comprendre et l'appliquer à la situation présente. En l'occurrence, le verset d'un psaume imprécatoire attribué à David, que sa charge passe à un autre, justifie que soit complété le collège apostolique, amputé de l'un de ses membres par la trahison et la mort de Judas. C'est dire que derrière le verset explicitement cité, des harmoniques sont mises en résonance dans toute l'Écriture. Car si Jésus a choisi parmi ses disciples d'en instituer 12 pour être ses compagnons et les envoyer prêcher, c'est bien en référence aux 12 fils de Jacob, père des 12 tribus d'Israël, rassemblant la totalité du peuple élu. La communauté des 120 frères, 10 × 12, reçoit donc mission de désigner la 12e pierre de fondation de l'Israël nouveau, qui va rassembler juifs et païens. Le second temps consiste alors à déterminer le critère du discernement qui va découler de l'enseignement de Jésus. Puisque celui-ci a choisi 12 disciples pour être ses compagnons, c'est bien quelqu'un qui l'a accompagné durant sa vie terrestre qui doit être désigné. Quelqu'un qui ait entendu ses enseignements, qui ait vu les signes qu'il accomplissait, les balises chronologiques étant bien définies, depuis le baptême dans le Jourdain, au début de sa vie publique, jusqu'à son retour vers le Père. Mais la finalité peut sembler paradoxale pour que celui qui va être choisi devienne témoin de la résurrection. Ce n'est pas de la vie quotidienne avec Jésus qu'il doit témoigner, ni même de sa prédication ou de ses miracles. C'est du seul événement dont personne n'a été témoin, mais qui devient fondateur de la foi et de la prédication. Ainsi donc, peut dire Paul aux Corinthiens, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Il s'agit donc, dans ce deuxième temps du discernement, d'exercer son intelligence critique, de déterminer qui parmi les disciples a suivi cette trajectoire de l'homme Jésus, mais aussi qui aura les qualités nécessaires pour annoncer le ressuscité. Et ce n'est certes pas un hasard si l'un des deux candidats retenus est surnommé Justus, le Juste. Dans un troisième temps, enfin, l'Esprit se joint à notre esprit. Et la décision finale est laissée à l'Esprit Saint par la prière et par le truchement du tirage au sort.
procédé qui nous paraît si surprenant qu'il risque d'occulter tout le processus de réflexion et d'élection antérieure et qu'il nous paraît relever du hasard alors qu'il est la fine pointe de l'acte de foi. Ainsi nous est tracé en cette octave, par la grâce de l'apôtre Matthias, la voie de notre compagnonnage avec l'Esprit. L'Esprit en qui nous lisons les Écritures et les assimilons à notre propre existence, l'Esprit qui, par ses dons d'intelligence, de conseil et de force, nous permet au mieux d'exercer nos facultés de compréhension et de jugement, l'Esprit à qui finalement nous nous remettons dans la foi pour qu'il fasse en nous toute chose nouvelle. Oui, viens, Esprit Saint, viens nous combler de la plénitude de tes dons. Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous ta sainte Église édifiée sur les apôtres, Seigneur, loué sois-tu. Fais de nous les pierres vivantes de ton temple. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous ta parole que l'apôtre Matthias nous a fait connaître, Seigneur, loué sois-tu. Donne-nous d'y découvrir notre joie et notre lumière. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes l'Eucharistie que les apôtres nous ont transmise, Seigneur, loué sois-tu. Apprends-nous à te recevoir dans la foi. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes. Saint Dieu fort, alléluia, Saint immortel, alléluia. Dieu Saint Dieu fort.
nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Seigneur notre Dieu, Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.